Cette année a été ponctuée de pas mal de choses et j'ai réussi à réaliser un de mes rêves. J'ai écrit un livre en 2 mois et j'ai auto-publié mon tout premier roman. Bonsoir, qu'importe, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va traiter de l'écriture de mon roman. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et sur ce, c'est parti. Bon, le jour où cette vidéo sortira, on sera le 25 juin, donc il ne sera pas encore disponible. Cependant, il sera disponible en tout début juillet sur la boutique lulu.com. Voilà, de toute façon, je vous donne les informations en vidéo. Bon, livre dont il s'agit, je l'ai déjà annoncé sur Instagram et sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur ces deux réseaux, et bah, les liens sont dans la description et je vous mets mon Instagram ici. Voilà, je suis très contente. C'est mon roman Guamayen qui était disponible jusque-là sur Wattpad. J'ai décidé de le faire imprimer et de vous le publier en format papier. Alors, comment est-ce que je suis passée d'écrire sur des pauses déjeuner à tenir le livre entre mes mains? Et bah, c'est justement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Bon, déjà, on va faire un petit point histoire. Voilà, comment est-ce que j'ai commencé à écrire et surtout, quand est-ce que j'ai commencé à écrire? Bon, j'écris depuis que je suis petite, hein, ça je pense qu'on a tous expérimenté les poésies, le fait de créer des poèmes pour la fête des mères en primaire, etc., etc. Mais en sixième, j'ai commencé à vraiment avoir envie d'écrire des histoires. Alors ça a commencé sur Wattpad avec un profil que je ne retrouve plus, Dieu merci. Et sur ce profil, j'avais tout simplement des fanfictions d'amour sucré. Castiel, toujours dans mon cœur, ma fanfiction avait fait 2000 vues, j'étais trop fière. Donc bon, ça a commencé avec ça, puis après j'ai commencé à écrire d'autres histoires que j'ai jamais réellement terminées et qui étaient pas très organisées. Et puis en octobre 2021, j'ai commencé à poster la correction finale de Grammayand. Alors c'est un roman que j'avais écrit sur l'année de 2019-2020, je pense, plus 2020 à mon avis. Du coup j'avais 13 ans, 13-14. J'étais sur l'année de mes 14, je crois. Donc ce roman, je l'ai écrit quand j'étais jeune. Et ensuite, bon, il est passé de 20 à 30 chapitres et de 30 à 50 chapitres, tout simplement parce que j'ai fait énormément de réécriture. J'avais commencé avec une fin que j'avais bâclée parce que j'en avais marre d'écrire. Et après, je suis revenue un petit peu sur ma décision, j'ai réécrit encore une autre fin. Et j'ai encore réécrit une autre fin en ajoutant plusieurs chapitres. Aujourd'hui, le roman final fait 53 chapitres avec un épilogue, je crois. Ou 52 avec un épilogue. C'est dans ces eaux-là, ok, comment c'est pas... Ok, voilà. Donc il y a eu Guamayand et ensuite j'ai eu l'envie de me lancer le défi d'écrire un roman en 2 mois. Chose faite, chose réalisée, sur le mois de avril et mai. Donc le roman est disponible sur mon Wattpad, c'est Good Boy Bad Girl et bah, pour l'instant il n'a ni été corrigé ni réécrit. Donc ça doit être juste mon premier jet le plus pur sur mon Wattpad. Donc il y a eu ça, il est terminé, ok, et en plus de ça, j'en avais encore un autre qui était en cours, qui s'appelle L'Alchimiste pour le Saphir du Prince. Alors bien sûr, le nom reste à changer parce que je sais très bien qu'il y a un roman très connu qui s'appelle L'Alchimiste, c'est juste que j'avais pas d'autre idée, ok. Et pour le coup, ça c'est un roman que j'écris depuis, je pense, 6 bons mois, voire un an, parce que c'est un roman qui est très long à écrire et assez complexe, et je veux vraiment le peaufiner au maximum. Pareil, les chapitres qui sont disponibles le son sur Wattpad, et voilà. Bon, ça c'était l'histoire de mes écrits, en gros. Mais du coup, vous avez été plusieurs à me demander sur TikTok et sur Instagram comment est-ce que j'ai fait pour publier. Alors déjà, je suis allée voir sur la chaîne de Cam Summer, donc qui est une chaîne que je suis assez régulièrement. Elle a déjà publié 2 romans, et du coup je me suis dit que j'allais regarder comment est-ce qu'elle avait fait. Alors tout d'abord, la première chose à faire, c'est trouver la plateforme sur laquelle vous allez vous faire publier. Je crois qu'il y a une plateforme de Amazon, il y a Colibri ou quelque chose dans le genre, et il y a lulu.com. Personnellement, c'est cette option-là que j'ai choisie parce que c'était la plus simple d'utilisation. Et aussi du coup parce que Cam Summer avait pris la même. Ok, t'as trouvé ta plateforme, c'est cool. Maintenant, comment on fait? Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est t'assurer que tout est bien écrit. Donc là, je te conseille de faire une première correction toi et fais corriger aussi par quelqu'un d'autre. Donc que ce soit un membre de ta famille, un proche, un ami lecteur, bref, fais corriger ton manuscrit une première fois. Relis-le encore et vois si tu veux pas faire une réécriture. Donc réécrire certains passages, ajouter des détails, ajouter des chapitres même, et peut-être réécrire la fin parce qu'elle ne te convient pas. Une fois que tu as fait tout ça et que tu es totalement satisfait de ton premier jet, tu peux voir la mise en page. Bon, ton premier jet, tu peux pas l'envoyer à ton imprimeur comme ça, hein, il va falloir le faire mettre en page. Alors là, 2 solutions. Soit tu fais tout toi-même, tu te renseignes sur internet et tu observes du coup les règles de mise en page, etc. et tu te déterres sa mère. Soit tu fais appel à un éditeur.
Personnellement, j'ai choisi la deuxième option pour des soucis de facilité. Donc, j'ai parlé de mon projet à, du coup, la fille qui avait édité les livres de Cam Summer et elle a été totalement d'accord pour me faire le mien. Alors, je vous mettrai son Twitter juste ici pour ceux qui voudraient se faire éditer leur livre. Alors, elle, pour le coup, elle m'accompagne vraiment jusqu'au moment où je le fais imprimer et je le fais publier. Donc, elle fait une mise en page, une correction et elle fait la couverture. Si tu n'as pas trop de talent en graphisme, t'auras une couverture quand même. Personnellement, la couverture, c'est moi qui l'ai faite parce que je voulais absolument une illustration de mes deux personnages et que comme je sais à peu près dessiner convenablement, je me suis dit que faire la couverture, ce serait quand même beaucoup plus sympa. Donc voilà, la couverture, la tranche et la quatrième, c'est moi qui les ai faites. Après, elle a juste eu besoin de les assembler et du coup, bah, ça a donné le document PDF qui donnera la couverture de mon livre. Bon, une fois que tu as fait éditer ton manuscrit, tu as fait une bonne grosse partie du chemin. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, et là, je vais te parler vraiment de mon expérience, c'est que je l'ai d'abord fait imprimer en version bêta, donc pour savoir si la couverture était ok. Par exemple, là, vous allez voir que le nom d'auteur n'est pas du tout centré par rapport à la tranche, et si le résumé aussi était bien centré, etc., comme je voulais. Alors, vous le verrez au post-it, ce n'est pas le cas. Je l'ai fait imprimer une première fois pour moi, donc ça, c'est la version bêta. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je l'ai relu entièrement et j'ai noté toutes les fautes que j'ai pu relever. Alors ça, c'est parce que je ne l'avais pas fait avant et qu'en plus, je n'avais pas corrigé mon premier jet. Donc, c'est pas bien, il faut le faire avant de l'envoyer à l'éditrice. Déjà parce que ça lui rajoute du travail et en plus parce que bah, c'est quand même beaucoup plus simple pour elle d'éditer juste un livre où il n'y a pas de coquille. Et une fois que tu as ton exemplaire dans les mains, comment est-ce que tu fais pour publier ? Alors là, c'est la partie sur laquelle je ne vais pas pouvoir vous aider, tout simplement parce que je n'ai pas encore publié mon livre. Voilà, on est le 21 juin et pour l'instant, il n'est pas disponible à la vente. Après, sur lulu.com, du coup, c'est hyper simple de publier. Il faut juste, du coup, importer ton manuscrit, importer ta couverture, le résumé, etc. Enfin bref, tu fais en sorte de tout bien faire. Tu peux fixer tes propres prix. Alors après, il y a un prix minimal à respecter pour du coup les frais d'envoi et la production du livre, donc tu ne peux pas aller sous un certain prix selon les différentes monnaies. Et du coup, bah, une fois que tu as fait tout ça, il sera disponible sur lulu.com. Ça paraît vachement simple dit comme ça, j'ai l'impression que j'oublie des trucs. Bon, maintenant que je t'ai dit comment publier ton livre, je vais te parler un petit peu plus du mien. Alors du coup, comme je te l'ai dit, c'est un livre que j'ai écrit quand j'avais environ 13-14 ans, donc j'étais encore dans le monde un petit peu des bisounours et des films très gnangnan, très hollywoodiens, très adolescents. Alors j'ai bien conscience que ce n'est pas un livre parfait, hein, je le sais très très bien d'ailleurs, parce que plus je l'ai relu et plus je m'en rendais compte. Mais c'est pas pour autant que j'en suis pas fière. Grabayan, c'est l'histoire d'une jeune fille, Holly, qui a passé un été absolument affreux. Entre tromperies et autres péripéties, elle ne sait plus du tout où donner de la tête. Et du coup, lorsqu'elle va rentrer dans son année de première, elle va tout simplement se focaliser sur une seule chose, l'handball. Alors elle est vice-capitaine de son équipe et avec sa meilleure amie, elles vont tout simplement former l'un des meilleurs duos. Donc bon, c'est cool, mais il est où l'élément déclencheur? Vous attendez que je vous parle du mec? Avouez. Mason Lucas, c'est aussi un adolescent qui rentre en première année après avoir redoublé. Donc avant, les deux ne se connaissaient pas, mais ils vont vite se rencontrer à cause d'un petit événement. Donc à partir de là, Mason, qui a déjà eu pas mal de soucis dans le passé, va remarquer que Holly a quand même un comportement vachement étrange. Le problème, c'est qu'Holly n'est absolument pas prête à se dévoiler à un inconnu et du coup, elle va être méga réticente. Ce qui va jouer sur la chimie de ces deux-là, c'est que lorsqu'il y en a un qui va vouloir parler, l'autre va vouloir le fuir et lorsque l'autre va vouloir le fuir, l'un va vouloir le parler. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc bon, à travers plusieurs péripéties, ils vont devoir se rapprocher, puis s'éloigner, ils vont se disputer, etc. Et au final, grâce à pas mal de choses, et notamment à leurs amis, ils vont se rendre compte de leurs sentiments l'un envers l'autre. À partir de là, Holly, elle va se poser pas mal de questions, elle va être très angoissée par tout ce qui se passe, et en fait, elle va de plus en plus écouter ses amis et se confier par rapport à ce qui s'est passé cet été. Mason, lui, va comprendre ses erreurs et va réussir à approcher la jeune fille d'une autre manière et du coup, il va réussir à devenir son ami. Bon, je vais pas vous spoiler la fin parce que je pense que c'est assez évident, mais du coup, à force de travail et de parole, ils vont se rapprocher, etc. Donc, ce livre sera disponible, comme je vous l'ai dit, en début juillet sur la boutique lulu.com. Au niveau du prix, il sera disponible à la vente à 17€. Donc moi, j'ai un prix minimal qui est fixé par Lulu parce que, bah, 340 pages, ça coûte quand même pas mal d'argent. Voilà, en tout cas, c'était un très beau projet.
Et d'ailleurs, je me dois de faire un coucou aux deux abonnés que j'ai croisés du coup hier. Oui, c'est ça, hier. Je suis vraiment contente de voir qu'il vous plaît et que vous l'attendez. Et j'ai vraiment été surprise de voir à quel point tout le monde m'a soutenue lorsque je l'ai annoncé. Voilà, c'était absolument incroyable. C'est un rêve d'enfant qui se réalise, donc je suis vraiment fière. Il a beau ne pas être parfait, c'est mon premier, mais ça ne sera sûrement pas mon dernier, donc j'ai très très hâte de vous en publier un autre pour vous montrer que l'évolution vient avec le temps. En tout cas, c'est un roman pour les adolescents, mais ça n'empêche pas les adultes de le lire. Voilà, après vous risquez de trouver ça un peu gnangnan parce que c'est écrit par une ado. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous plaira, j'ai très hâte de vous publier et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Donc merci à tous pour votre soutien. Donc écoutez, à tous les écrivains et écrivaines qui me regardent, n'abandonnez pas parce que vous pensez que ça ne vaut plus le coup. Personnellement, ce livre, j'ai déjà laissé tomber deux fois la réécriture pour au final la terminer. Donc ça prouve bien que on peut y arriver, vraiment c'est du temps, de la patience et surtout de la discipline et beaucoup de motivation. Donc gardez vos rêves et poursuivez-les parce que c'est le plus important. Pour ceux qui voudraient lire mes autres histoires, je vous mets mon Wattpad en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker, ça pourrait toujours me faire plaisir. Pourquoi est-ce que je ne laisse pas les chapitres visibles sur Wattpad? Alors déjà, tout simplement parce que s'il est sorti en format papier, vous vous doutez bien que je ne vais pas les laisser sur Wattpad. Les chapitres sur Wattpad ne sont absolument pas corrigés, alors que dans le livre, tout est corrigé, tout est peaufiné. Bref, il y a même certains trucs qui changent par rapport à la version Wattpad. Donc je laisse les premiers en ligne et je ferai un post pour dire qu'il est sorti en format papier, corrigé, etc. Donc voilà, merci encore pour tout votre soutien parce que ça m'a un peu bouleversée quand je l'ai annoncé. Oui, je dois le dire, ça m'a vraiment bouleversée. J'ai lâché pas mal de larmes de joie et c'était vraiment incroyable, donc merci à tous. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que vous aurez peut-être quelques petits teasers et quelques petits extraits en avant-première. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur TikTok, c'est là où je donne des conseils d'écriture, etc. S'il y en a qui écrivent des livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et s'il y en a qui ont besoin d'aide pour prendre contact avec l'éditrice, etc., n'hésitez pas aussi à me le dire. Je vous donnerai son Twitter, de toute façon je vous le mets aussi en barre d'infos. J'ai pas encore décidé de la date définitive de publication, voilà, parce que je ne sais pas si je vais le publier le 1er ou le 3, tout simplement parce que le premier, je ne suis pas chez moi, donc je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Mais écoutez, je vais regarder tout ça. En tout cas, de toute manière, vous serez prévenus sur Instagram et TikTok lorsqu'il sera en ligne. Et sinon, j'essaierai de mettre un commentaire sous cette vidéo pour vous donner le lien vers le site où vous pourrez l'acheter. Sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux parce que c'est là où je suis le plus active. J'espère en tout cas que ce mois de juin qui aura été très intense niveau vidéo parce que j'en ai quand même sorti une par semaine et ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps, vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu aussi et j'ai vraiment très hâte de vous publier. Sur ce, moi je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, peu importe. N'oubliez pas que vous êtes unique, n'oubliez pas de vous aimer parce que personne d'autre le fera à votre place. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.